Martin. Le chanteur se confie sur sa nouvelle vie. Ricky Martin, récemment marié, est toujours en plein rêve et ne manque pas de projets. Le chanteur Ricky Martin est encore sur son petit nuage. L'interprète de la Vida Loca au début de l'année 2018, et il est autant heureux qu'étourdi par son choix. Je regarde cet objet étranger sur ma main, sa bague de mariage NDR, et je me dis, oui, c'est la mienne. Nous nous regardons tous les soirs et nous nous disons, c'est tellement spécial. J'aime ça, s'est-il réjoui sur le tapis rouge de la présentation de The Assassination of Gianni Versace, qui s'est déroulée le 19 mars à West Hollywood. Interrogé sur l'impact que le document de mariage avait sur sa vie et sur sa relation de couple, Ricky Martin n'a pas nié qu'il avait une importance capitale. C'est très différent. Ce document fait beaucoup de différence, a-t-il souligné. Ce document signé est très spécial. Cela me rend convaincu. Allez les gars! Chaque pays devrait nous permettre de nous marier parce que c'est tout naturel, a-t-il insisté. A-t-il encore le sentiment d'être en lune de miel? Oui, assure-t-il avec un grand sourire. J'espère que ça va durer éternellement, je ne veux pas avoir l'air ringard, mais j'espère ça, a-t-il reconnu. Déjà papa de jumeaux, Matteo et Valentino, Ricky Martin espère pouvoir encore agrandir sa famille, comme il l'avait reconnu en janvier lors des Golden Globes, spécifiant qu'il souhaitait encore 4 paires de jumeaux. Rien que ça cube.